Et salut, et c'est l'heure du 9e chapitre Bélial. Les cavaliers ont endigué l'approvisionnement en eau bénite de Bélial, et désormais ils le recherchent pour avoir sa peau. Bienvenue à Sanctuaire tous. Bélial. Ou alors, son garde-manger. Ne fais pas de bruit. Si on ne se tire pas d'ici rapidement, je vais attraper la gerbe. Allez, j'ai fait quelques évolutions là. Kourou niveau 4 pour Discord, Kourou niveau 3 pour guerre. Un petit coffre. Est-ce que ça va être une séance boss ou pas? Je ne sais pas du tout. Alors, petit Bélial, où te caches-tu? Un petit casse-tête avant de rentrer? Voilà, ça c'est fait. Oh, la chambre de Bélial! Oh, c'est lui? Ouais, c'est magnifique. Magnifique le décor. C'est parti. Vous avez vu, j'ai l'élémental d'électricité là. J'ai débloqué avec Vulgrim. Il est monstrueux. Ça va, c'est son premier stade, ça va. Juste que je fasse gaffe. Ça sent les enfers avec Bélial. Il est gros, mais il est lent en fait. Faut que je la... Il bouffe des ghouls, c'est ça? Faut que je l'empêche de bouffer des ghouls? Ah, est-ce que je peux battre l'eau corrompue ou faut juste que je lui en mette plein la gueule? Oh putain, fais chier. Oh mais je suis con depuis le début quoi.
Je vais réussir à le mettre midlife, hein. Là, il est invincible. Oh, fais chier. Allez, viens là, voilà. Oh, mais sérieux, quoi. Putain, sérieux, quoi. Et plus on bouffe, plus il est fort, c'est ça? Ça commence à me faire chier. Voilà. Je me sens vraiment mal. Sérieux?
Oh, fait chier. Allez, allez, allez. Allez, viens. Ah, je vais l'achever là, non? Ouais, je t'achève. Ouais, je l'achève. J'espère que t'as profité de ton dernier repas. Si on lui ouvrait l'estomac pour en révéler le contenu. Où est Lucifer? Tu vas parler, démon. Tu ferais mieux de répondre avant qu'on te serve le dessert. C'est tout à place de blagues de bouffe. Ton ignorance ne sauvera pas. Comme par hasard. Je peux vous faire entrer dans une aide. Là, peut-être. Comment? Ah. J'aime bien ces cinématiques en forme de bande dessinée. C'est dégueulasse. Nous allons épargner ta pathétique fille. Mais avec le temps, tu le regretteras peut-être. Pourquoi c'est à moi de tenir la pierre de vomi? La pierre de vomi. Eden sera votre tombeau. Bélial, espèce de créature stupide. Ton incroyable échec peut encore me servir. Ah, mais Lucifer. Tu dois quand même être sanctionné. Adieu. Lucifer, il va être horrible à combattre. Comme un Diablo dans Diablo, quoi. La peur améliore la saveur. Ah. Enfin, ça n'a pas été évident, mais les cavaliers ont vaincu Bélial, le démon seigneur. Alléluia! C'était un bon combat encore une fois, et ça sera une vidéo courte comme ça l'a été pour Mammon. Les conséquences de Lucifer vont bien au-delà de la simple ingérence. Nous ne tolérerons pas qu'il continue à corrompre Eden. Bélial nous a donné la clé. Quel a été le sort de ce sac de viande perpétuellement affamé? Qui sait, il respirait encore quand on l'a laissé. Enfin, à vrai dire, il faisait plutôt un genre de gargouille. Quelle déception. J'espérais que vous vous montreriez plus rigoureux. Quant au sort d'Eden, nous pouvons nous arranger. Laisse-moi deviner, t'as encore besoin d'un petit service. Tu m'offenses, Discord. Vous m'offrez les moyens de mes ambitions, Vulgrim vous ouvre la voie. Une simple courtoisie entre amis. Ah ouais. Ah, ça s'appelle du foutage de gueule aussi. C'est une serrure du néant. Il révèle un chemin qui resterait autrement occulté par Lucifer, semble-t-il. Malin, oui. Très. Tu m'as l'air très intéressé, et ça m'inquiète. Nous partons pour Eden. Ouh, le 10e chapitre, ça va être Eden. Déjà Eden. Je pense qu'on va faire Eden et après on va faire les enfers, non? Puisque Lucifer, c'est forcément les enfers. Ah, bah il y a eu de l'action. Ça a été beaucoup plus court que les 3 quarts d'heure, 1 heure de vidéo habituellement
que je vous fais, mais bon, c'était pas mal, c'était intense. Donc si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous dis ciao et à bientôt pour un nouveau Let's Play où on continue Darksiders Genesis. Surprise. Ciao, ciao.